Bonjour à tous. Peut-être avez-vous déjà découvert lors d'une promenade l'entrée d'un ancien fort militaire. De quand date-t-il? Pourquoi ont-ils été construits? Par qui et comment? Dans cette nouvelle émission Images et Savoirs consacrée au fort de Namur, nous avons pour vous mené l'enquête. Pour entamer nos recherches, direction le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Le musée royal de l'armée dispose d'un centre de documentation qui nous aidera certainement à y voir plus clair. Au rayon fortification, plusieurs ouvrages nous renseignent déjà. Construits de 1888 à 1891, les forts namurois sont disposés tout autour de la ville. Au nombre de 9, ils constituent ensemble la position fortifiée de Namur. Leur concepteur est le général Henri-Alexis Brialmont. Mais pourquoi et dans quel contexte ces forts ont-ils été bâtis? Pour répondre à ces questions, nous avons fixé rendez-vous à Axel Tixon, professeur d'histoire. Axel Tixon, quel est le contexte géopolitique de l'époque? C'est un contexte tendu. L'Europe est de plus en plus constituée d'États qui sont des États-nations puissants, comme la France, bien évidemment, qui est devenue une république en 1870, l'Allemagne qui s'est constituée, qui s'est unifiée aussi à partir de la même époque, à partir de 1870. L'Italie est aussi un État-nation constitué. Donc le contexte est étendu aussi pour des raisons économiques. Chaque pays est en concurrence dans une crise qui a débuté dans les années 1800, fin des années 1870, début des années 1880, et aussi à cause des tensions dues au développement colonial. En plus, il y a des alliances qui se mettent en place, notamment entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et aussi l'Italie. Ce sont des alliances soi-disant défensives, mais qui peuvent aussi se muer en alliance offensive, donc pour tenter d'attaquer certains autres pays européens. Et dans tout cela, la Belgique est neutre? Et dans tout cela, la Belgique est neutre depuis 1830-31. C'est une condition pour son indépendance. Et donc elle ne peut, elle, se lier avec aucune autre puissance, aucun autre pays. Elle doit défendre son territoire seule, mais en cas d'attaque, les autres États européens doivent secourir la Belgique. C'est la garantie de l'indépendance belge, en contrepartie de cette obligation de neutralité. La Belgique doit donc garder son territoire jusqu'au moment où les alliés vont pouvoir venir l'aider. Elle sait qu'elle ne peut, avec son petit pays, qui ne dispose pas de grandes frontières naturelles, sauvegarder seule son indépendance longtemps, mais elle doit au moins attendre les renforts. Pour garantir cette neutralité, la Belgique doit organiser la défense de son territoire. De 1860 à 1864, Anvers est fortifié en camp retranché par l'ingénieur militaire Henri-Alexis Brialmont. Pendant le conflit franco-prussien de 1870, notre pays est menacé d'invasion. En 1887, à la demande du ministre de la Guerre, le général Brialmont propose alors de renforcer le système défensif en fortifiant Liège et Namur. Brialmont se heurte à de vives critiques, notamment du ministre libéral Frère Orban, qui estime le projet inutile, inefficace et dangereux. Après une joute parlementaire acharnée, le projet du général est approuvé le 14 juin 1887. Pourquoi fortifier Namur? Alors, il faut fortifier Namur, mais surtout la vallée Mosane. La vallée Mosane, qui est un couloir d'invasion naturelle et qui permet, soit à la France d'envahir la Belgique, soit à l'Allemagne d'envahir aussi le territoire par l'Est. Et donc, le plan de Brialmont, c'est d'installer au début et à la fin de ce couloir Mosan des positions fortifiées permettant de retarder cette avance. Liège joue le même rôle que Namur en cas d'attaque venant de l'Est, venant d'Allemagne. Et Anvers a un rôle beaucoup plus important encore. La place est beaucoup plus fortifiée, elle peut ainsi accueillir l'ensemble, une grande partie de l'armée belge qui peut résister ainsi plus longtemps, et surtout Anvers est un port qui permet donc l'arrivée de corps expéditionnaires qui viennent de l'étranger pour défendre le territoire de la Belgique neutre, et ces arrivées peuvent donc venir de Grande-Bretagne, de France, de partout ailleurs. Donc à la fois essayer de résister à une attaque directe
venant de France ou d'Allemagne et gagner ainsi du temps pour attendre les renforts de l'étranger. La construction des ceintures fortifiées de Namur et Liège commence le 28 juillet 1888. À la tête de cette entreprise gigantesque, le général Henri-Alexis Brialmont, surnommé le Vauban belge. Avec la machine à vapeur comme seule source d'énergie motrice, Brialmont construit les forts de Meuse en 3 ans seulement. 9 forts à Namur et 12 à Liège. Le gros œuvre exige le déplacement de 2 800 000 m3 de terre et plus d'1 000 000 de m3 de béton sont coulés. À Namur, 4 à 500 ouvriers travaillent dans chaque chantier. Avant de passer à la visite d'un fort, détour par la citadelle de Namur. La caserne de Terra Nova présente une salle des maquettes où est conservée une reproduction du fort namurois des mines. C'est un petit fort, ceux d'Andois, Cognelet et Suarlet par exemple sont plus grands. Les mines sont aussi triangulaires, les forts de Mézeray et Malonne sont quadrangulaires. De manière générale, la conception des forts est simple et standardisée. Ils sont semi-enterrés. Au centre, on reconnaît le massif central où est concentrée l'artillerie cuirassée. En arrière, les locaux d'escarpe abritent principalement le casernement en temps de guerre. Le tout est entouré d'un fossé sec défendu aux extrémités par de l'artillerie. L'entrée est pratiquée à l'arrière, dans le mur extérieur du fossé. C'est ce qu'on appelle la contre-escarpe, où se retrouvent cuisine et latrine notamment. Les forts occupent des points culminants. À Namur, ils sont distants l'un de l'autre d'environ 5 km pour pouvoir se défendre mutuellement. Ils sont aussi éloignés de la ville de façon à éviter son bombardement. Nous suivons maintenant les pas de Philippe Bragard. Cet historien de l'architecture va nous faire visiter le fort de Lantin qui fait partie de la ceinture fortifiée de Liège. Particulièrement bien conservé, Lantin est un petit fort triangulaire comme celui des mines. Je vais vous faire découvrir l'intérieur d'un fort, ce qu'on appelle son économie, ses moyens de défense, ses éléments techniques. Et nous commençons bien entendu par l'entrée de ce fort qui est pratiquée à l'arrière, à sa gorge. Faiblement défendu parce qu'en principe, dans une tête de pont, comme les têtes de pont de Namur et de Liège, les forts ne devaient pas être entièrement autonomes dans leur défense. Donc faiblement défendu par quelques embrasures qui sont ici à ma droite. Défendu passivement par un pont roulant qui dégageait un fossé profond qui est derrière moi. Et dans le mur, encore plus loin derrière, une embrasure de tir avec un canon de 57 mm qui devait empêcher un assaillant d'entrer dans ce fort, donc construit en béton non armé. Vous voyez aussi derrière moi dans le mur des éclats qui vous font voir les galets de Meuse constituant le matériau avec le ciment Portland, résistant à des projectiles de 21 cm de calibre qui étaient à ce moment-là, en 1887-1890, en usage dans les armées européennes. Et nul ne pouvait préjuger, évidemment, des développements extraordinaires de l'artillerie. En 1914, les Allemands disposaient de pièces de 42 cm de calibre qui lançaient des obus d'une tonne. Bien entendu, les forts n'étaient pas susceptibles de résister à ce genre de calibre. Mais je vous invite à me suivre et nous allons franchir ce fossé et entrer dans le fort. Les forts de la Meuse marquent dans la carrière d'Henri-Alexis Brialmont, leur concepteur, en quelque sorte l'aboutissement, la maturation d'une longue pensée qu'il a menée depuis début 1860, quand il a eu pour la première fois l'idée d'introduire une coupole cuirassée d'artillerie dans un fort. C'était à Anvers, c'était des forts en maçonnerie de briques. Ici, dans les forts de la Meuse, il a multiplié ses coupoles, il les a inscrites dans un massif entièrement en béton. Il suivait en cela certaines idées d'un commandant français, le commandant Mougin, qui avait élaboré l'idée d'un fort de l'avenir où toute l'artillerie était concentrée dans le massif central où nous sommes. Nous sommes arrivés, après avoir parcouru le couloir et les escaliers qui y mènent depuis l'escarpe de gorge, nous sommes passés à côté des logements de la troupe, qui s'étalait le long de la gorge du fort, le long de l'escarpe. Et nous avons traversé également la grande salle de rassemblement pour l'infanterie qui devait aller combattre éventuellement un assaut sur le fort. Nous sommes en dessous d'une coupole tournante
qui était actionné par le treuil à manivelle qui est ici à côté de moi, actionné manuellement sur 360 degrés, coupole pour un canon de 120 et qui était donc un des organes de défense active du fort, coupole fabriqué dans les ateliers liégeois de Cockerill, sur des brevets d'origine diverse puisque Brialmont avait fait toute une série d'études comparatives sur la qualité des coupoles pour pouvoir les fabriquer. Nous sommes sur le massif central, nous étions tout à l'heure en dessous d'une des coupoles, nous les voyons maintenant de l'extérieur, telles qu'elles se présentaient en 1914. Il y a des coupoles avec des canons de 150, des canons de 120 et il y a plus bas une coupole pour un obusier de 210. Les coupoles pour canons tirées à tir direct, à une distance d'un peu plus de 8 km, la coupole de l'obusier de 210 tirée en tir courbe, à 6,5 km environ. Et tout au-dessus du massif central se trouve un phare dans une coupole à éclipse qui se levait pour éclairer la nuit le champ de bataille pour permettre une défense rapprochée. Ce massif central où sont concentrées toutes les défenses actives du fort est en béton de plusieurs mètres d'épaisseur, un béton constitué donc de galets de Meuse et de ciment Portland. Il y a eu des malfaçons. Les galets de Meuse qui devaient être de la taille d'un œuf de pigeon au maximum, eh bien, il y a des galets gros comme le poing. Il est évident qu'ainsi construit, le fort ne pouvait pas résister aux projectiles, surtout que ces projectiles étaient devenus surdimensionnés par rapport aux possibilités de résistance du fort. Il y a des banquettes d'infanterie, puisque une compagnie d'infanterie pouvait sortir et s'opposer à un assaut de vive force, une fois que l'artillerie s'était tue, bien entendu. Nous terminons la visite par le coffre de tête qui est derrière moi et qui permettait la défense très rapprochée dans le fond des fossés par deux canons de 57 mm. Il y en avait deux fois deux puisque nous sommes ici à la pointe du triangle et qu'il fallait flanquer les deux fossés. Et vous remarquez qu'il y a deux ouvertures, deux fois deux ouvertures aussi, deux étages d'ouverture. En fait, ces canons pouvaient être utilisés à deux niveaux, mais il fallait évidemment les hisser manuellement pour pouvoir tirer par les embrasures supérieures. À partir du moment où on devait faire face à une attaque d'infanterie, ben, il fallait pouvoir évidemment défendre les abords du fort, ce qui n'y a jamais eu lieu, puisque en 1914, les forts ont été pilonnés par de l'artillerie, il n'y a pas eu véritablement d'assaut de fantassins. Ces coffres, il y en avait aussi sur le fossé de gorge, donc à l'arrière du fort. Ainsi, l'ensemble du périmètre rapproché était parfaitement flanqué, parfaitement protégé des assauts ennemis. Précieux témoin de l'architecture militaire du 19e siècle, le fort de Lantin est préservé et entretenu par une association qui l'ouvre aux visiteurs. Retour à Namur au fort des Mines. Propriété privée depuis 1997, le fort est devenu réserve de chasse. Le propriétaire nous a ouvert les portes, nous y retrouvons Axel Tixon. Il nous explique dans quel contexte la guerre de 14-18 s'est déclarée. C'est le contexte des suites d'un événement relativement réduit finalement, qui est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo par un étudiant serbe. Événement qui va entraîner une cascade de crises qui vont conduire à une guerre. Guerre qui aurait pu être évitée mais qui ne le sera pas, parce qu'aucune des grandes nations de l'époque ne veut véritablement sauvegarder la paix. La France espère toujours récupérer l'Alsace et la Lorraine et donc doit passer par un conflit avec l'Allemagne. L'Empire britannique doit contrôler sa situation de leadership international, tant au niveau économique qu'au niveau géopolitique. Et l'Allemagne devient un rival beaucoup trop important. L'Allemagne veut augmenter son influence dans le monde et dans l'Europe. Elle a la puissance industrielle pour le faire, elle a la marine de guerre pour le faire. La Russie a des intérêts importants dans la zone des Balkans et entre là en concurrence avec l'Autriche-Hongrie. Il y a les alliances aussi, bien évidemment, allemandes et austro-hongroises, mais aussi françaises, russes et serbes de l'autre côté. Et au milieu, la Belgique qui doit rester neutre et l'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique. C'est ça. À partir du moment où l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, la Russie qui est alliée de la Serbie va mobiliser ses troupes et en réaction, l'Allemagne déclare la guerre à la France qui est alliée de la Russie.
Dans ce cadre-là, l'Allemagne désire passer par le territoire belge pour envahir la France. Elle pose un ultimatum à la Belgique. Le roi Albert refuse le 4 août cet ultimatum parce que la Belgique doit garder sa neutralité. Et l'Allemagne entre tout de même dans le pays le 4 août, ce qui va provoquer l'entrée en guerre ensuite de la Grande-Bretagne pour défendre la neutralité belge. Fin juillet, la mobilisation est décrétée en Belgique. Les classes de milice sont rappelées sous les armes et rejoignent l'armée active. Les plus jeunes constituent l'armée de campagne, les plus anciens, les unités de forteresse. À Namur, le général Michel est gouverneur de la position fortifiée et commandant de la 4e division d'armée de campagne. Plus de 38 000 hommes sont sur le pied de guerre. Dans les forts et leurs intervalles, ils préparent la défense namuroise. Très concrètement, comment prépare-t-il la défense de la position fortifiée de Namur ? Il y a toute une série de travaux qui doivent être menés. Tout d'abord, dégager tout ce qui pourrait gêner les tirs. Donc des arbres sont abattus, des maisons parfois, dans certaines régions, sont abattues parce qu'elles gênent les tirs, possibles des différentes tourelles. Il faut aménager les espaces proches des forts, empêcher la progression ennemie. Donc on en place des barbelés, des réseaux de fils de barbelés. On creuse des tranchées, un réseau de tranchées relativement important pour installer l'armée de campagne. Il faut aussi s'assurer de postes d'observation dans les entourages. Ça peut être des clochers d'église ou bien toute une série d'autres lieux d'observation importants. Et puis, on fait sauter des ponts, on bouge des tunnels pour empêcher évidemment l'armée ennemie de progresser et surtout la gêner dans l'acheminement de matériaux lourds comme les grosses pièces d'artillerie. Mais à quoi ressemble l'armée belge en 1914 et surtout à quoi ressemble l'armée allemande? Pour le savoir, nous sommes allés interroger Bruno Colson aux facultés universitaires de Namur. Spécialiste de l'histoire militaire, il nous explique comment se présentait cette armée prête à envahir notre pays. C'est la plus formidable machine de guerre qui ait jamais existé jusqu'à cette époque-là. C'est l'armée la plus nombreuse, la mieux entraînée, la mieux équipée. C'est une armée qui a des tenues déjà un peu camouflées. C'est une armée qui a tenu compte des progrès de l'armement et notamment de la puissance de feu accrue des armes individuelles. Donc les soldats allemands sont entraînés à se retrancher. Ils ont des instruments, des pelles, des pioches qu'ils portent en permanence. Et donc c'est une armée qui sait s'abriter du feu. C'est aussi une armée dotée d'une artillerie lourde. C'est la plus lourde de l'époque, avec le mortier autrichien de 305 mm de calibre. Mais surtout, le mortier de 420 mm, surnommé la Grosse Bertha ou Bertha l'Assidue, du prénom de la fille de Krupp, son concepteur. Hormis des images fantaisistes, aucune photo de cette arme secrète ne circule pendant la guerre. Avec des obus d'une tonne, les Grosses Bertha peuvent aisément détruire les forts bétonnés et cuirassés. Leurs tirs paraboliques sont hors de portée des canons de défense. Leur transport se fait par chemin de fer, mais aussi par route. Tractés par des locomobiles, sortes de tracteurs à vapeur. Jusque-là, personne n'avait prévu que les Allemands puissent mobiliser pour un siège une artillerie d'une telle envergure. À côté, l'armée belge ne fait vraiment pas le poids. Oui, l'armée belge est encore une armée du 19e siècle, avec des uniformes relativement visibles, aux couleurs variées, du noir, du vert, du bleu, des pointes de rouge. C'est une armée qui a un bon armement individuel. Le fusil Mauser est une bonne arme individuelle, mais l'armée belge n'a pas d'artillerie lourde. Les plus gros canons de l'armée de campagne sont des 75 mm. Avec 117 000 hommes, notre armée est aussi peu nombreuse. Elle manque d'officiers et n'est pas suffisamment entraînée. Il va pourtant falloir combattre. Le 4 août à 8 heures, l'armée allemande franchit la frontière belge. Leur plan, eh bien, il consiste à contourner les fortifications françaises qui ont été établies en Lorraine et en Alsace et à passer par l'endroit où il y a le plus de routes, de chemins de fer et aussi le moins de fortifications sur leur passage, c'est-à-dire la Belgique. Le plan est signé von Schlieffen, un général mort avant la guerre. En violant la neutralité belge, son objectif est l'encerclement des armées françaises pour une attaque à revers. Chez nous, les généraux se mettent difficilement d'accord sur une stratégie de défense. Pour finir, l'armée de campagne est concentrée dans la région de Louvain, Wavre, Tirlemont et Perouet. Les 3e et 4e divisions vont renforcer les positions fortifiées de Liège et Namur. Derrière se trouve la place fortifiée d'Anvers,
le réduit national, le dernier espoir. C'est un camp retranché, donc c'est une place qui est destinée à subir un siège et à servir de refuge. Tandis que Liège et Namur ne sont pas destinées à servir de refuge, ce sont des places d'arrêt, c'est-à-dire qu'elles sont là pour retarder la progression d'un envahisseur, place d'arrêt, mais aussi tête de pont, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'armée belge de passer des deux côtés de la Meuse et de la Sambre, si c'est nécessaire pour ces opérations. Face à l'avancée ennemie, Liège est aux avant-postes. De nuit et en rang serré, l'infanterie allemande attaque les intervalles de tous les forts en même temps. Elle se fait massacrer par l'artillerie liégeoise. L'envahisseur ne commettra pas la même erreur à Namur. Après la chute de Liège, le 16 août, l'armée allemande repousse vers Anvers notre infanterie de campagne et attaque Namur par le nord et le sud. Ici, l'ennemi choisit un secteur d'attaque précis et utilise d'abord son artillerie lourde. Au début, les Allemands choisissent le secteur entre le fort de Marchevlette et celui d'Andois, donc comprenant aussi le fort de Mézeray. Et puis ils se rendent compte que le terrain au sud de la Meuse est beaucoup plus accidenté. Et alors ils concentrent leurs efforts au nord de la Meuse, sur le secteur du fort de Marchevlette, qui va être le plus bombardé de tous les forts. Les bombardements sont d'une extrême violence et sous le feu ennemi, les forts de Brialmont révèlent leurs défauts. Leur conception avait manqué de crédit suffisant. Les soldats sont ainsi asphyxiés par le manque de ventilation. Pour aller aux commodités, ils doivent traverser le fossé dangereusement exposé. Aucun tunnel n'a été prévu. Et puis surtout, les forts ont été conçus pour résister à des obus de 210 mm de calibre. Pas du 305, encore moins du 420. Les bombardements entament à ce point le moral des soldats que 200 d'entre eux s'enfuiront du fort de Marchevlette. Ils devront être remplacés. Le 23 août, les Allemands lancent l'assaut et réussissent leur percée. L'ennemi est aussi annoncé sur la Sambre et la Meuse à Dinan. Namur craint l'encerclement. Et donc le général Michel prend la décision à temps, et c'était une bonne décision, d'évacuer Namur avec sa division d'infanterie. Et donc il va se replier sur la France, il va aller jusqu'à la côte, et là la division va se réembarquer pour aller jusqu'à Anvers, où elle rejoindra le gros de l'armée belge. Il est namurois dans tout cela. Les 20, 21 et 22 août, la ville a subi plusieurs bombardements. Le quartier de la gare a été touché, les victimes sont nombreuses. Le 23, quand le général Michel ordonne la retraite, les Allemands investissent Namur. Bombardements, destructions, massacres, les deux jours suivants seront encore pénibles pour les civils. 75 sont tués et une centaine de maisons sont incendiées. L'hôtel de ville part en fumée. Le 25 août, les derniers forts militaires se rendent. Pendant 4 ans, Namur va vivre au rythme de l'occupant. En compagnie d'Axel Tixon, nous nous rendons maintenant au cimetière militaire de Marchevlette. Ici reposent environ 500 soldats morts à Namur en août 14. Un lieu de recueillement où le professeur d'histoire dresse le bilan du siège de Namur. Par rapport aux objectifs qui avaient été fixés, c'est-à-dire permettre une plus grande résistance à une invasion ennemie en retardant au maximum cette invasion, on ne peut pas dire que l'effort de Namur ait tenu le choc. Les forts ont résisté pendant 2-3 jours, ce qui est quand même beaucoup plus court que Liège. Ils ont été soumis à un feu beaucoup plus puissant aussi, donc c'est assez logique. Mais on ne peut pas dire que l'effort de Namur ait fortement retardé l'avancée allemande, même si on l'a présenté de cette manière-là après la guerre, en disant que la résistance de Liège, de Namur, avait permis aux Français de se réorganiser et donc de mettre sur pied la fameuse contre-offensive de la Marne au mois de septembre. Face au fort de Meuse, les Allemands ont tout de même perdu du temps et de l'énergie. À Liège, l'ennemi a même été touché moralement. À Namur, les forts ont aussi permis à l'infanterie du général Michel de se retirer en ordre. Mais de manière générale, les forts de Meuse auront joué un rôle limité en raison de leurs défauts de conception. Pendant la guerre, ils seront investis par les Allemands qui les moderniseront un peu. Dans l'entre-deux-guerres, certains seront réarmés, ils serviront en 40, mais ils ne résisteront pas beaucoup plus longtemps, la guerre ne se faisant plus véritablement dans les fortifications. Aujourd'hui, on peut donner une place importante à ce patrimoine. Il ne faut pas oublier que
ils sont pionniers dans leur domaine. En 1880, ces forts-là sont construits de façon tout à fait neuve. Donc ils ont un rôle de pionnier dans l'histoire de la fortification. Et puis pour Namur, ils ont un rôle important aussi. Grâce à ces forts, on peut dire qu'à Namur, on a une histoire continue de 1000 ans, d'un millénaire de fortification, depuis le premier donjon bâti au sommet de la citadelle, sans doute au Xe siècle, jusqu'aux fortifications du XXe siècle. On a une continuité qui existe rarement et qui mériterait véritablement d'être soulignée, et on y gagnerait à mettre en valeur ces forts, à en faire connaître un peu mieux le destin. Ici s'achève notre enquête sur les forts de Namur. Le mois prochain, Paul Watkan vous présentera une toute nouvelle émission. Elle s'appelle Image In. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.